Audio Jungle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Entrée en scène des nouveaux promus à la police, l'installation ce lundi des responsables récemment nommés dans les services centraux de la Délégation générale à la Sûreté nationale. C'est à vivre en tête du journal. Mise en scène de l'économie nationale ce soir avec un acteur majeur, le système bancaire et ses taux d'intérêt prohibitifs, les raisons et les remèdes possibles, ce sera le dossier du 20h30. Et puis sortie de scène de Paul-Éric Kingé, le maire de Njombe Penja a tiré la révérence tôt ce matin à Douala. Nous irons vivre l'ambiance de ce départ brutal dans la région du littoral. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Plus que jamais, honneur et fidélité au drapeau de la République, l'engagement des responsables récemment nommés par le chef de l'État à diverses fonctions dans les services centraux de la Délégation générale à la Sûreté nationale. En présidant la cérémonie d'installation ce lundi, le délégué général Martin Barganguélé a prescrit à ses nouveaux responsables à la police, entre autres, le respect de la loi et la sécurisation de la nationalité camerounaise. Reportage au QG de la police à Yaoundé, Oswald Medon. Le jour nouveau qui se lève sur la Délégation générale à la Sûreté nationale entend redynamiser les services. Et pour mener à bien tout cela, la haute hiérarchie mise sur une constellation d'hommes et de femmes aux états de service marquants. Les nuages qu'ils sont appelés à dissiper sont autant d'exigences. Il s'agit des intrusions des adeptes de la secte Boko Haram, de la recrudescence du grand banditisme et de la criminalité urbaine, de la montée du trafic et de la consommation des stupéfiants, de la résurgence de la pandémie du Covid-19, entre autres. Entre sécuriser les hommes et les biens, restaurer la confiance avec les usagers. Les attentes sont précises et multiples. Cet état sommaire des lieux impose à l'ensemble des personnels de la Sûreté nationale une mobilisation générale, un engagement de tous les instants et une disponibilité inconditionnelle et sans faille. L'objectif à terme, c'est de marquer la place de la police camerounaise et ils sont avertis. Il n'y aura pas de rang d'observation et les résultats sont attendus dès maintenant.
des installations à la police qui vont naturellement se poursuivre à travers le territoire national après le sang neuf injecté dans ce corps. Un vaste mouvement qui draine naturellement de nombreuses attentes de la part du public. Pierre Evembe. Camerounais qui se prononcent entièrement sur la vie de la police, leur police dans ce vaste mouvement opéré par le président de la République qui était pour certains très attendu. Cet vaste mouvement à la délégation générale à la sécurité nationale, orchestré à sa tête par son excellence le chef de l'État, M. Paul Biya, et qui vient 7 ans après, je pense qu'elle était d'une nécessité parce que les Camerounais sont déjà un peu frustrés en matière de la sécurité. Lorsque une personne reste trop longtemps quelque part, la personne se dit qu'elle est en train de faire bien et pourtant, à un moment donné, il y a panne de créativité. Des attentes, les Camerounais en ont, notamment sur la qualité du service offert au public et la célérité dans l'établissement des titres identitaires. Ce n'est que la carte d'identité qu'il faut améliorer et ça fait problème dans tous les coins du Cameroun. C'est un problème vraiment réel que les cartes manquent au Cameroun. Il est primordial, comme il a fait le vaste mouvement, qu'il essaye aussi d'arranger le problème des cartes au Cameroun. Les nouvelles menaces à la sécurité dans les métropoles, un autre défi à relever. L'insécurité dans les milieux scolaires et tout ça, il faut de la sécurité nationale, notamment les polices, pour essayer d'être proche de la population, pour les sensibiliser, essayer d'éviter. C'est un cas au cas qui se passe au jour par jour. Tout de même, le spectre de la discipline opérée par le DGSN, Martin Bangangeli, a tapé dans l'œil des Camerounais. Je commence par féliciter d'abord le délégué général à la sécurité nationale qui fait un travail de titan. C'est une police new look, présente en quantité et en qualité, que les usagers et Camerounais de tous bords attendent désormais. Autre chose dans le journal, nous parlons des femmes francophones, femmes résilientes. C'est le thème de la célébration ce 22 mars du 51e anniversaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et pour le Cameroun, la cérémonie de circonstance était présidée à Yaoundé par le ministre des Relations extérieures. Elle a réuni des membres du gouvernement et des chefs de mission diplomatiques. William Badier. C'est dans une atmosphère de détente que le 51e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie a été célébré au ministère des Relations extérieures sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Cette organisation a son mot à dire dans la marche du monde et donc elle doit être toujours résiliente et s'adapter. La célébration a connu plusieurs articulations, à savoir la diffusion du message de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, la remise des prix aux lauréats des Jeux concours organisés au cours de la semaine dans les établissements scolaires. Membre de cette grande famille francophone, le Cameroun bénéficie de l'attention des pays frères et amis. La participation constante du chef de l'État au grand sommet de la francophonie, où il fait entendre la voix du Cameroun. La visite au Cameroun de Mme Louise Mushikiwabo avec Mme la secrétaire générale du Commonwealth et le président de l'Union africaine pour venir soutenir le Cameroun dans le cadre des solutions de sortie de crise. Dans son agenda, l'OIF projette la tenue du 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie les 20 et 21 novembre 2021. Le loyer de l'argent au cœur du dossier du 20h30. Nous questionnons ce soir les taux d'intérêt jugés trop élevés de 7 à 22% par les usagers des services bancaires. Également en question la réticence des banquiers qui renvoient toute la responsabilité à la COBAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale, véritable gendarme de ce secteur. Mais reste que le crédit bancaire est bien trop cher au Cameroun. Cyril Kingembepe. Le crédit bancaire déclenche pour celui qui l'obtient un calvaire sans issue. En cause, les éléments peu connus par l'emprunteur et qui s'adossent au remboursement. Ce sont des taux qui sont définis par l'autorité monétaire et les banques sont obligées de les appliquer en tant que telles. Les banques sont obligées de recourir à des compagnies d'assurance qui viennent en quelque sorte porter le risque. Les frais d'enregistrement, ceux du dossier ou d'expertise et le taux nominal fixé par la banque sont publiés pour éviter un marché de dupes. Le règlement de 2019
base 04 de la COBAC. Il détaille suffisamment sur ces questions-là. Maintenant, la cherté du crédit peut aussi se justifier en comparant deux espaces. On peut peut-être estimer que dans l'espace Max, c'est plus cher par rapport à l'espace UMA. Dans notre contexte, il faut y ajouter les réserves du banquier. Si je donne un crédit à 100 personnes et que je ne prends pas les garanties comme il se doit, je peux vous dire qu'on peut se retrouver que 90 ne remboursent pas. Le coût de la justice. Le coût de la justice chez nous est très élevé. Les coûts directs et les coûts indirects. De 18 à 22% d'intérêt pour les particuliers, puis de 8 à 11% pour les grandes entreprises. L'argent est cher parce que, disent les experts, les ressources sont rares. Mais pour relancer l'économie, il est pourtant urgent de baisser ces taux d'intérêt jugés très élevés, actionner également le levier de la consommation et celui de la création des PME, des sources susceptibles de créer des emplois. Lucrèce Mbenga examine ici les mécanismes possibles pour amener le crédit bancaire dans son rôle de moteur de l'économie nationale. Tout est question de risque. La baisse des taux d'intérêt est conditionnée par la réduction des risques, notamment pour les petites et très petites entreprises. Leur structuration et leur entrée dans le secteur formel permettraient aux banques de leur faire davantage confiance. Les entreprises ayant une visibilité sur le développement de leurs activités pourront prendre des risques et les banques ayant une visibilité sur le marché et le potentiel pourront financer. Et puis à l'État, via un accompagnement basé sur l'organisation des entreprises en filière et une dotation à la Banque centrale. Mettre en œuvre une stratégie de filière dans le cadre de laquelle l'État même déciderait que voici les filières prioritaires que je suis prêt à soutenir à travers des financements, à travers des actions à caractère fiscal, à travers des actions en termes d'accompagnement à l'amélioration des performances des entreprises. L'une des recommandations qui peut être faite à l'État, par exemple, c'est de mettre une dotation auprès de la Banque centrale pour une filière X identifiée. Les experts voient une action de l'État qui obligerait les banques à mettre des taux d'intérêt conformes au profil des risques des particuliers. Autre palier, l'éducation financière. Ici, il est attendu de Monsieur Tout-le-Monde qu'il fasse valoir auprès des banques ses revenus mensuels garantis. De gros enjeux financiers également en question dans le secteur de la production du livre scolaire et des matériels didactiques. Et à partir de l'année prochaine, l'année scolaire 2021-2022, et conformément à une instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, les imprimeurs nationaux reçoivent désormais la responsabilité de produire 50% de ces manuels. En auront-ils l'expertise et le plateau technique? C'est ce qui fait débat au Cameroun dans ce début de semaine. Pierre Bihinambarga. C'est cette instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, qui redonne vie à l'imprimerie. Beaucoup d'éditeurs étrangers notamment ont fait valoir le fait que les entreprises étaient confinées pour justifier les retards qu'elles ont accusés dans l'approvisionnement du marché camerounais en manuel scolaire. Et c'est, je crois, dans cet environnement-là et dans ce contexte-là que la décision a été prise de rapatrier l'impression de certains manuels scolaires au Cameroun. Les imprimeurs sont encadrés par l'APME. Il y aura une réduction dans la sortie des devises parce que les livres qui étaient pour la plupart importés vont être produits sur place. Il y aura à peu près 1500 personnels qui vont être recrutés pour la production de ces livres et plus de 1000 emplois indirects. Les imprimeurs disent ne pas avoir peur. Ils ont plutôt des épaules assez solides et larges pour supporter la charge. On est en face de la confiance qu'on lui a méritée. Le plateau technique est là. Nous avons des partenaires qui font 27 000 livres au jour. 2 millions de livres pour une centaine d'imprimeries, c'est un cadeau d'annuel. À travers le cluster qu'ils ont mis sur pied, une chaîne de 100 imprimeurs, il faut une synergie solide pour être à la hauteur du challenge, à la grande satisfaction de la communauté éducative.
La santé, avec cette nouvelle, la prise en charge du COVID-19 qui va désormais inclure l'offre des tradis praticiens, des potions et autres décoctions qui entrent à l'hôpital pour le traitement en milieu hospitalier donc de la pandémie. Une annonce du ministre de la Santé publique la semaine dernière. Précision sur les modalités de cette synergie. Avec vous, Martine Noël Ndengue. Baisse de fièvre dans le conflit qui opposait médecine conventionnelle et médecine traditionnelle pour le traitement du COVID-19. Les deux pratiques, c'est désormais admis, sont complémentaires. Les malades qui sont dans les hôpitaux ont droit d'appeler leur médecin traditionnel de venir les soigner à l'hôpital. L'annonce du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi ne dispense cependant pas praticiens et patients des quelques préalables. Les patients qui ont leur tradit praticien par consentement éclairé vont demander que leur tradit praticien vienne leur donner le produit. Pas de bouteille remplie de remèdes traditionnels, non. Que le tradit praticien vienne avec sa calebasse ou sa casserole, vous comprenez, tel que sur le plan de la protection des patients, c'est requis. Dans un discours à la Nation le 19 mai 2020, le chef de l'État avait encouragé les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du COVID-19. Cette main tendue du gouvernement aux tradithérapeutes donne un écho sonore à l'appel du président de la République, Paul Biya. Et elle est impressionnante, cette mobilisation du personnel soignant dans les centres de prise en charge du COVID-19. Des hommes et des femmes, debout parfois 4 jours d'affilée, 72 heures sans repos à cause des effectifs, très souvent insuffisants. Mais on va dire attention au burn-out, comment y échapper? Question ce soir à Irène Ndjanafouda. Voici le QG de la riposte contre le coronavirus à l'intérieur duquel les soldats de la pandémie en tenue de combat sont en guerre contre le coronavirus qui touche à l'intégrité physique des malades hospitalisés. À cause de la deuxième vague du COVID-19, le personnel soignant voit l'état de santé des patients se dégrader sans pour autant lâcher prise malgré le volume de travail qui augmente. En quelques temps, on perd 2-3 patients et ça fait peur. Nous puisons au fond de nous-mêmes pour rester confiants et continuer à travailler. Le burn-out est le revers de la médaille de la crise sanitaire qui s'enlise. Le travail abattu par le corps médico-sanitaire débordé peut donc s'avérer contre-productif et amener les uns et les autres à tourner en rond. Pour ne pas en arriver là, il faut mettre en évidence quelques astuces cliniques. Augmenter le nombre de personnels soignants, permettre la récupération de ceux qui ont déjà été au travail, décentraliser les soins. Un médecin exposé à la mortalité qui monte, mais à un moment, il perd un certain nombre de capacités. Sur le front de guerre, le personnel soignant ne se désolidarise pas. Quand tous les lits d'hospitalisation d'ici sont occupés, les cas légers sont transférés à l'hôpital Jamou de Yaoundé. En politique, la session parlementaire à l'Assemblée nationale après l'élection du bureau de la session de mars est entrée ce lundi dans le vif du sujet avec la validation des commissions, la réception de 9 projets de loi et le recensement des questions orales qui seront adressées aux membres du gouvernement. Pulchéri Até, notre reporter, fait la synthèse des 2 séances plénières de ce lundi à l'hémicycle du Palais des Congrès. Le premier projet de loi porte ratification de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant prorogation à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord des effets de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. Le deuxième projet, quant à lui, autorise le président de la République à ratifier l'accord entre la République du Cameroun et la République fédérative du Brésil sur le transfert des personnes condamnées à une peine privative de liberté. L'autre projet, le troisième,
troisième autorise le président de la République à ratifier l'accord d'extradition entre la République du Cameroun et la République fédérative du Brésil. Deux autres projets de loi autorisent le président de la République à ratifier respectivement l'accord cadre militaire et la formation militaire entre la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Turquie. Les quatre derniers projets autorisent le président de la République à ratifier respectivement la convention entre le gouvernement de la République du Cameroun et celui des Émirats arabes unis tendant à éviter la double imposition, à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, à ratifier l'accord de Georgetown révisé à Nairobi en décembre 2019, à ratifier le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles et autres personnes ayant des difficultés aux œuvres publiées et à ratifier l'accord de coopération entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la facilitation d'obtention de visas. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaïgué Djibril, a présidé une séance plénière relative à la validation des différentes commissions appelées à statuer chacune en ce qui la concerne sur ces différents projets. Politique encore avec ces travaux de ELECAM qui prépare la reprise de l'élection des représentants du commandement traditionnel dans le département de la Maine-et-Loire, région de l'Ouest. Il s'agira de compléter l'effectif du conseil régional. Ce lundi, c'était donc la deuxième session de plein droit du conseil électoral d'Elections Cameroun consacrée essentiellement à ce dossier. Nous faisons le point de ces travaux avec Rodrigue Bertrand Tueno. Se réunissant 48 heures après le début officiel de la campagne pour le scrutin du 4 avril dans la Maine-et-Loire, le Conseil électoral d'Elections Cameroun a consacré sa deuxième session de plein droit aux ultimes réglages d'avant-scrutin. Nous pouvons à ce jour affirmer que la direction générale a pris les dispositions nécessaires au plan logistique et sécuritaire pour un déroulement optimal et harmonieux de cette élection. Un suivi de proximité du scrutin a été adopté. Une mission conduite par Madame la vice-présidente, accompagnée de l'honorable membre du conseil électoral, responsable de la région de l'Ouest, effectuera une descente sur le terrain aux fins d'assurer une ultime vérification des aspects organisationnels du scrutin et d'en suivre le déroulement jusqu'à la proclamation des résultats. Cet engagement sera une contribution de plus à la crédibilité des processus électoraux au Cameroun. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le temps de faire le point du dispositif gouvernemental de lutte contre le coronavirus qui réintègre cette semaine l'idée d'un vaccin. Le Cameroun reprend donc le processus d'acquisition de cette solution vaccinale après des certitudes certaines quant à ses effets positifs. Éclairage, c'est dans cet entretien de Évariste Eyenga avec son invité. De ce soir, nous les retrouvons au Centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Le vaccin au Cameroun contre le coronavirus Covid-19, on n'y va pas. Une petite hésitation des autorités sanitaires pour plus de prudence, pour voir clair sur le meilleur des vaccins qui conviennent aux Camerounais. Où en est-on en ce moment? Question ce soir au docteur Tchokfe Shalom. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Le vaccin contre le Covid-19 au Cameroun, a-t-on abandonné la piste? Non, pas du tout. On n'a pas abandonné la piste de la vaccination. Au contraire, la solution vaccinale devient de plus en plus pertinente. Il y avait une suspension de la livraison du vaccin AstraZeneca pour le Cameroun en raison du signalement de certains effets indésirables dans les pays européens. Mais à la suite de la déclaration de l'Agence européenne de médicaments et de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a pas trouvé de lien entre ces effets et la vaccination, la livraison du Cameroun pourra reprendre, et, ce qui permettra au Cameroun d'avoir des doses de vaccins disponibles pour ceux
pour les personnes éligibles qui voudront bien se protéger. Et qu'est-ce qui sera revu? Qu'est-ce qui pourra changer? Notre plan avait prévu une certaine flexibilité dans le choix du vaccin, dans le choix de groupes cibles à vacciner. Ce qui est à revoir, il n'y en a pas substantiellement, mais nous avons trouvé qu'il était pertinent pour le Cameroun de disposer des doses de plusieurs fabricants différents pour plus de flexibilité dans le choix pour les personnes à vacciner. Voilà qu'on est fixé, grâce à vous. Merci, docteur Chalon, d'avoir accepté notre invitation. C'était le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Vous l'avez entendu, le vaccin, la solution vaccinale au Cameroun, la piste n'a pas été abandonnée. On a juste revu une ou deux petites choses. C'est entendu absolument. Et nous allons dans la suite du journal où la commune de Njombe Penja pleure. Son maire, Paul-Éric Kingé, est décédé tôt ce lundi matin à Douala des suites de maladie après seulement 13 mois passés à la tête de cette municipalité. Il avait 55 ans et des projets plein la tête pour sa commune. Nous allons vivre le deuil à Njombe et cette émotion de l'une de ses parentes captée par notre correspondant sur place. Dans le littoral à Douala, c'est Napoléon Bonaparte Besson. Les sentiments d'une maman, ce sont les mamans qui savent ça. Et quand tu élèves un enfant, tu as les mêmes sentiments envers cet enfant. Je ne savais pas que Eric était malade. C'est dimanche matin, le 14 mars. Comme annoncé ici vers 16h comme ça, que Paul King Eric est malade. Il est hospitalisé. Mais le tas est un peu inquiétant, qu'on ne veut, les médecins ne veulent pas. Et commence alors à rire et à danser. Tu me dis que oui, maman Djunga est mort. Il me dit oui, on vient de m'annoncer, mais calme-toi. Calme-toi. Je dis non, je ne peux pas me calmer. La douleur, vraiment, c'est très profond. Toutes nos condoléances à cette famille aux 20h30. Et nous restons dans le littoral pour ouvrir la série de cette semaine consacrée au désenclavement des bassins de production dans nos régions. Premier arrêt ce soir, la voie bitumée Evodoula Mbebe Ndom, longue de 88 km. C'est un axe qui dessert maintenant les départements de la Lékié, du Nyon-Ékélé et de la Sanaga-Maritime. Une réalisation à mettre à l'actif du PIDMA, le projet d'investissement et de développement des marchés publics et de la Banque mondiale sur la route du développement avec le guide Léon Bertrand Tanefo. Du point kilométrique zéro à Evodoula au 88e Andoum, les atouts des localités desservies dévoilent la nécessité qu'il y avait à doter ces bassins de production d'une route praticable. Chose désormais faite avec la route Evodoula Bebe Ndoum, interminable bitume au cœur de la forêt, construite suivant des normes particulières. On a une couche de base qui est en latérite de 20 cm. Une couche de fondation à latérite aussi de 20 cm. Et les accotements, on a l'anus superficielle monocouche de part et d'autre sur les accotements. La route Evodoula Bebe Ndoum est aussi un modèle dans la construction des routes à coût réduit. Un ouvrage fait pour résister à l'usure du temps. Cette route est projetée pour durer au moins 15 ans. L'autre particularité, c'est qu'elle détient des caractéristiques géométriques d'une route nationale. Les populations riveraines de l'axe Evodoula Bebe Ndoum ont vu leur quotidien changer. Le développement a bien suivi la route. Le COPACS, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, évaluait ce lundi les avancées de l'agenda 2063 sur les aspects relatifs à l'inclusion de la femme et du genre dans la culture de la paix sur le continent. Pendant ces échanges par visioconférence, les stratégies du Cameroun dans ce domaine ont été exposées par le ministre des Relations extérieures. La synthèse des travaux, Séverin Alegambélé. L'échange en mode virtuel entre les représentants des 15 pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, les représentants des communautés économiques régionales, s'est appuyé sur deux éléments essentiels. La vision de l'agenda 2063 de l'Organisation panafricaine
et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Cameroun, dans cette perspective, a dit prendre en compte la parité dans tous les domaines de consolidation de la paix. Sous la très haute impulsion du président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, l'inclusivité du genre se traduit au Cameroun par la formation des dirigeantes religieuses dans la prévention des conflits et la lutte contre l'extrémisme violent. Le gouvernement a entrepris, entre autres, la formation des forces de défense et de maintien de l'ordre. Les mécanismes et instruments pour la protection et l'épanouissement de la femme existent bel et bien en Afrique. Seulement, il faut encore surmonter les obstacles liés aux violences de toutes sortes qui accentuent la vulnérabilité sociale. La page des sports, nous allons à Douala, la capitale économique qui accueille les Lions Indomptables pour un stage préparatoire aux 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021. 15 Lions sont déjà dans la tanière. Première séance d'entraînement, c'était ce lundi au stade annexe de Douala, Japoma. Une belle ambiance à vivre dans ce reportage de Edouard Penda. Balle des arrivées dans la tanière des Lions Indomptables dans la métropole économique. Ce lundi, on a noté l'arrivée de quelques joueurs locaux, en l'occurrence Achou Kérido. Le portier de PWD de Bamenda et Ako Assomo sont aux côtés de Clinton Jay, Zambo Anguissa, Arnaud Djoum, Nga Fabrice, Jean Onana, Jonathan Gwem, entre autres. En attendant l'arrivée des autres joueurs prévus ce soir, les 15 Lions, déjà dans la tanière, préparent le match Cap-Vert-Cameroun prévu le 26 mars prochain à Praia. Ils ont effectué leur première séance d'entraînement ce jour à l'annexe de Douala Japoma et ce mardi, la séance d'entraînement sera ouverte à la presse. Le second match est prévu le 30 mars prochain à Japoma contre la sélection nationale du Rwanda. Pour ces éliminatoires, le Cameroun qualifié d'office est logé dans la poule F aux côtés du Mozambique, du Cap-Vert et du Rwanda. Et nous allons pour la dernière étape à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, où une nouvelle centrale électrique vient d'être équipée pour remédier aux coupures intempestives d'électricité. Les deux groupes électrogènes récemment acquis sont à découvrir dans ce reportage de Emmanuel Biconde de CIR TV Centre. Après une étude minutieuse qui a permis l'évaluation de son besoin en énergie, la société ADC acquiert deux nouveaux groupes électrogènes dernière génération permettant une utilisation plus réelle pour accroître son offre énergétique. Nous avons rénové l'ensemble des équipements de la centrale électrique. Donc ça va des groupes électrogènes que vous avez vus, qui répondent aux normes aéronautiques, qui ne sont pas les normes, je dirais, grand public qu'on peut trouver en ville. Les tableaux de distribution, tout a été changé et est entièrement supervisé, qui permet de voir l'état des équipements en temps réel. À ces équipements et matériels sont associés d'importants lots de pièces de rechange pour leur maintenance et les équipes techniques de la société ADC et les utilisateurs ont par ailleurs bénéficié de formations sur site et à l'étranger auprès des firmes fabricantes afin de garantir le bon suivi. Dans notre contrat, nous avons fait donc toute la partie études et conception, toutes les réceptions en usine avec la formation de tous les techniciens et ingénieurs de ADC. S'exprimant alors sur la nouvelle acquisition de la société ADC à l'occasion de la cérémonie de la présentation solennelle de sa centrale électrique, le directeur général fait savoir que... Nous avons tout le temps le noir au niveau de l'aéroport et les compagnies se plaignaient, légitimement d'ailleurs. Nous avons donc mis en place un plan de renouvellement des équipements et qui nous a conduit donc à construire une nouvelle centrale dont le coût s'élève à plus de 4 milliards 800 millions de francs CFA. La centrale électrique dans un aéroport est névralgique. Si vous n'avez pas d'énergie secourue, vous fermez l'aéroport. Donc si l'aéroport est dans le noir, on ne peut pas exploiter, on ne peut pas traiter les vols. Ajoutons que ce projet rentre dans le plan stratégique d'investissement de la société ADC, mis sur pied par le top management. La fin du 20h30 où on retient essentiellement l'entrée en scène des nouveaux promus à la police. C'était le tour ce lundi des responsables nommés dans les services centraux
de la délégation générale à la sûreté nationale. Les régions vont certainement suivre. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Alvin Giselzé et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous, ce sera à minuit. Il sera présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Achou Nienti dans l'actualité présidentielle Inside de Presidency. Très belle soirée sur la CIR TV et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. TV News, ici, toute l'info.